Bonjour à tous, je vais vous présenter une petite création que je viens de terminer. Comme d'habitude en fin de vidéo, je vous présenterai le matériel que j'ai utilisé pour le faire. Voilà. C'est un petit coffret, une petite boîte naissance. Donc j'en ai déjà fait deux, comme ceci. Il y a le tuto sur ma chaîne. J'ai juste changé quelques petites mesures au niveau de la tranche. Et au niveau du petit album qui se trouve à l'intérieur, j'ai modifié quelques petites... ça se joue en millimètres, mais voilà. Donc je vous présente la création et puis le matériel en fin de vidéo. Bon visionnage. Voilà, alors pour le matériel que j'ai utilisé, donc c'est toujours la collection de chez Ciao Bella My First Year. Donc il me restait des papiers aussi bien en 30x30 que dans le petit bloc, par rapport aux collections qui m'avaient été envoyées par la boutique Scrap for Love. D'ailleurs j'en ai encore un des papiers, donc je pense que je vais rebidouiller 2-3 petites choses avec. Donc j'ai utilisé aussi cette collection de papiers de chez Action, donc les papiers orange, bleu, jaune, vert, voilà, essentiellement, pas les roses et pas les violets en fait, et ni ceux qui sont imprimés. Voilà, pour les petits mots qu'il y a sur le côté ici et les deux là, alors je vous montre, hop. Pour mon premier jour aussi, et celui-ci, c'est une planche de tampons qui vient de chez AliExpress.
Donc voilà, avec des petits mots spéciaux naissance. Les tampons que j'ai utilisés ici, c'est pareil, c'est cette planche de tampons qui vient aussi de chez AliExpress. Le tampon, l'encre orange, c'est celle-ci. Voilà, qui marche super bien. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, j'ai fait, alors c'est avec ces petites, avec ce die que j'ai fait la dimension de celui-ci. Voilà, ces petits crochets, pareil, viennent de chez AliExpress. Et je crois que j'ai rien oublié de vous présenter. Ah oui, si le ruban, ça vient de chez Action. Et à la fin, oui, sur la dernière page, il y avait un joyeux anniversaire. Alors, il me semble que celui-là, les dies viennent de chez Asa. Voilà, je pense que c'est un die que j'avais acheté chez Asa. Donc à chaque fois, en fait, pour l'album, si vous voulez, au niveau de comment il est construit, là, il y a la languette. Après, j'ai fait une languette de 0,3. Là, j'ai fait 0,5. Après, j'ai fait 0,7. Après, j'ai fait 1 cm. Et la dernière, elle fait 1,5. À chaque fois, j'augmente un petit peu pour que, ben, voilà, il puisse y avoir de la marge pour mettre les petites photos. Ce que j'avais peut-être un peu moins fait sur la vidéo tuto. Voilà. Eh bien, j'espère que cette création vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions sous la vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt. Bye bye.